Dans quelques jours, ils prendront leur première garde dans un service d'urgence. Le geste le plus fréquent à assurer, le béaba d'un urgentiste, c'est la suture. Ces étudiants de quatrième année apprennent les rudiments, anesthésie, maniement des ustensiles. Un petit entraînement gestuel du matin, on ouvre, on ferme ? Pour être en phase avec la réalité, c'est sur un pied qu'ils vont s'entraîner, non pas un pied humain, mais un pied de cochon. L'avantage du pied de cochon, c'est que c'est la structure qui se rapproche le plus de la peau humaine. Un petit peu plus rigide, en tout cas c'est ce qu'il y a de plus proche. Démonstration du médecin, le geste est habile, presque gracieux. Chaque urgentiste peut en faire jusqu'à une dizaine par jour, mais à reproduire, ça l'est moins la première fois. Là, c'est pas évident. Hein. Oh, pas du tout. C'est une petite aiguille. Il faut vraiment faire attention. Heureusement que c'est pas le patient. Exactement. C'est pour ça, heureusement qu'il y a des séances de formation comme ça pour nous entraîner. Il faut qu'elle passe dans les boucles que tu as formées. Règle d'or pour suturer, la concentration. Donc là, tu sers bien, parallèle à ta plaie. Les fils peuvent s'en mêler. T'as vu que j'ai mon sens naturel, cette fois. Outre le soin, il s'agit aussi de penser à l'esthétique de la cicatrice qui sera indélébile. Le plus compliqué, c'est de faire un nœud, de le faire du bon côté et de le faire de façon élégante. Et que le nœud tienne sans être trop gros ou trop massif. Est-ce que vous avez hâte de faire la première? Oui, j'ai hâte de faire ma première vessiture. J'ai hâte de faire ça. Est-ce que vous allez lui dire au patient que c'est votre première suture? Non, jamais. S'il sait que c'est la première fois pour quelqu'un, bah voilà. Même si ça peut être une petite plaie, bah, le patient il a besoin d'être rassuré et on n'a pas vraiment le droit de montrer qu'on panique ou des choses comme ça. Il y a encore quelques années, les étudiants s'entraînaient directement sur le patient. Pour eux, en revanche, ce sera le seul cours avant leur garde. Quand ils vont arriver chez nous par la suite, on fera des sutures à quatre mains, quoi, finalement. C'est-à-dire qu'on s'installera avec eux. Et progressivement, sur leur stage parmi nous, bah, ils seront lâchés progressivement. Ils commenceront par des points simples. Vous ne mangerez plus un pied de cochon comme avant? Aussi quand même, je pense. Mais pas tout de suite. Tous les urgentistes vous le diront, le jour de la première suture, on ressent toujours un peu de stress, une certaine fierté aussi.